ça va aller aussi. Bon, on y est. Comment on va faire pour la dégager? Poussez. Et confiance. Le monstre. Ouais. Cale-toi et pousse de toutes tes forces. D'accord. Comment on descend? On saute. Vraiment? Viens. Ne panique pas. Pourquoi je paniquerais? Je te tiens. Ça a le charge à Saint-Crit. Tu vas bien? Ça c'est faux, Singlings, t'as pas compris le jeu. À plusieurs fois, il a même dit sa genre de son espèce. Il a bien compris que le père était différent. Il a déjà à mon niveau du jeu, il en a déjà parlé. Comme quoi le père était particulier. Il a pas compris que c'était un dieu parce qu'il peut pas l'imaginer. Mais enfin pour l'instant en tout cas. Mais il a bien parlé des gens de son espèce. Au contraire, le fils, il a pas de cuir. C'est ce qui est mis en avant dans le jeu, c'est toute l'exergue à quel point le père est certes bon, mais est une brute ignorante, aimant son fils. Hein, et c'est le montre à quel point, tu vois. Le fils ne sait pas encore qu'il est un dieu, Sing Nixiu. Je sais, on a déjà parlé parce qu'à plusieurs reprises, même depuis le début, on dit bien que le gamin est un dieu. Mais après, le gamin, il fait rien d'extraordinaire. On prend pas en compte le fait qu'il se fasse pas one shot parce que ça, c'est vis-à-vis du jeu, vis-à-vis de l'histoire. C'est un gamin intelligent qui comprend les runes, mais en même temps qui a bien été éduqué et qui était entraîné depuis sa tendre enfance, depuis qu'il est bébé par son père. C'est un bon archer, mais c'est un gamin réactif, quoi. Par contre, qui comprend les choses un peu plus vite que la moyenne. Mais vous avez là-dessus d'ailleurs l'excellente série Sherlock, où Sherlock Holmes en fait grandit avec son frère Mycroft Holmes. Et il y a une phrase qui est très intéressante là-dessus. Sherlock a toujours cru qu'il était idiot. Sherlock Holmes, dans les romans de Sir Arthur Conan Doyle, qu'en fait Sherlock était idiot. Mais parce qu'en fait il a grandi sans aucun contact avec les autres enfants. Et une fois qu'ils ont en fait quitté le cocon familial où il n'y avait que Mycroft et lui, enfin les parents quoi, il a vite compris qu'il n'était pas idiot. C'est juste que Mycroft était beaucoup plus intelligent, mais que il y avait Mycroft, il y avait un petit cran en dessous Sherlock et un très très loin en dessous il y avait le reste des gens. Mais il n'était pas idiot. Là c'est la même chose pour le gamin. Il trouve qu'il apprend un peu vite. Mais comment il pourrait situer son intellect sachant qu'il n'a aucun autre contact social, aucun autre enfant en fait qu'il voit évoluer. C'est impossible. Donc non, au contraire, le gamin est brillant et on voit qu'il a la soif de connaissance, là où il est en train par contre de découvrir uniquement sa force. Comme il l'a parlé, je crois que c'était aujourd'hui, où il disait à son père, c'est bon de se sentir fort à travers les combats et tout, il se demande qu'est-ce que maintenant on va être capable d'affronter en fait. Et son père lui dit, t'es pas plus fort, t'es juste plus discipliné, mieux entraîné, et voilà quoi. C'est normal qu'il soit naïf, il a 8 ans, ou 9 ans, encore heureux qu'il soit naïf. Naïf ne veut pas dire idiot. La pente du burin. Laisse-le faire. Cet homme a un certain talent pour la destruction. Il n'y a aucune différence dans 99,9% des jeux vidéo entre un 3100X et un 5100X, chaque Assassin's Creed. Est-ce que ça répond à ta question? Aucune. C'est 20% d'IPC. Sauf si... Alors, il y a une différence si ta femme est une joueuse PVP compétitif. Si elle est effectivement une très bonne joueuse de FPS, de League of Legends, à très haut niveau, ça vaut le coup. Et si t'as donc, à ce moment-là, donc ta femme a un écran de 280 Hz ou 360 Hz. Sinon, ça ne sert à rien. Et ce qui m'étonnerait très fortement. Et pas parce que c'est une femme, parce que si c'est ta femme, elle a une bonne quarantaine, et que t'es pas joueur compétitif de genre vidéo, à 40 ans plus, t'as plus les réflexes pour. Désolé. En tout cas, pas pour des jeux de réflexes. Donc il y a quand même très peu de chance. Pas pour rien qu'ils ont tous même pas 20 ans. Il n'y a aucune différence entre un 5008 et un 3008.
J'expliquais tout à l'heure à Xing Bing Xiu, c'est la différence, c'est les IPC. C'est en gros l'exploitation de la carte graphique par le processeur, faire simple, pour développer au-delà de 200 FPS. Mais après, vous vous faites toujours avoir par le marketing. C'est ça qui est terrible. Oui. Le 3800X, il sera bon jusqu'en 2027, maudit, Assassin's Creed. Les fils de Thor. Mère disait toujours que les As étaient les pires des dieux, et que Thor était le pire des As. J'imagine que c'est aussi un mauvais père. Ce ne sont plus des enfants. Ils n'ont pas d'excuses. Sindri va s'en sortir ? Ils ne le trouveront jamais. Merde, j'ai raté un truc là. Je crois que j'ai raté. Oh. Ah, la grande salle de festin. La fierté de Midgard. C'est drôle, j'avais le souvenir qu'il y avait un immense chandelier. Il donnait vie à ce lieu. Non mais... Je vais essayer de rester calme. Je vais le refaire en une phrase très calme. Par contre, à quoi ça sert que vous me posiez une question si vous n'écoutez pas la réponse ? Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Il n'y a pas de différence entre un 3800X et un 5800X dans 99,9% des jeux. Chaque Assassin's Creed, en toute gentillesse, si tu veux acheter quelque chose pour ta femme et que tu n'écoutes pas la réponse que je te donne, pose pas la question et me fais pas perdre mon temps. S'il te plaît. Là. Ah oui. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher de tout détruire. Zut. Si je me souviens bien, le trône du Jarl se trouvait juste de l'autre côté de ce mur de glace. Oh. Attends, il y a un truc à faire là. C'est parti. Je l'adore le gamin, putain. Il vide les petits trucs volants de merde. Salut Zendino. Vous avez vu les dégâts? Waouh. Waouh. Oh le rayon laser depuis que j'ai augmenté mes dégâts runiques, c'est une folie hein. Et c'est le loup qui a foutu la merde, hein. Parce que le loup m'a fait perdre le focus. Le loup m'a fait perdre le focus, bordel. Génial ce gosse. Tellement génial ce jeu. Je crois aussi, ouais. Tellement génial ce jeu.
Concentre-toi. Oh. Oh, mais c'est incroyable. Bah écoutez, tranquille. Ah, je l'ai détruit le bordel. Il s'est fait détruire, ouais. Elle est bien verrouillée. Ça, j'ai pas encore trouvé comment les déverrouiller ces trucs-là. C'est par là qu'il faut que je passe, c'est ça, non? Attends. J'ai encore un truc à péter? Voilà. Ce qui me semblait. Par où il veut que je passe? Ah, par là. Ouais, dans tous les cas, en fait, il fallait les, ouais, les faire péter. Pas en forme, lui. Ça jette. Il y a quelque chose devant. Tu vois? Il va bien. J'ai préféré m'éclipser quand les fils dégénérés de Thor ont débarqué. Pas pour l'instant, Nord-Est. Mettons-nous au travail. Pas pour l'instant. Je suis fort sur certains trucs et faible sur d'autres. On sent que t'étais pas là quand j'étais contre le monstre qui one-shotait là. Comment il s'appelait déjà cet enfoiré hein. Il m'a bien calmé lui hein. Sur une quête secondaire, putain, il m'a bien cassé les couilles. Et là, le but du jeu, c'est que j'ai envie d'aller faire Muspelheim en fait, de faire la deuxième truc. 48 000 de thunes, ouais. Hop là. Après, je rappelle qu'on est le dieu de la guerre. Hein. Enfoiré, ouais. On est quand même le dieu de la guerre, hein. Pas Jean-Michel Clodo quoi. Hop. Ah, c'est armure d'Atreus. Ouais. Ok. Tac, tac. Ça, c'est le vieux stuff. Oui, Atreus. Améliorer, ça toujours pas. L'arc, non. Et protection de torse. Ah, le carquois est niveau max. Atreus. D'accord. Protection de torse, c'est un truc que j'ai pas encore. Ça, j'ai pas encore. Ça lui enlève l'attaque. Ça, j'ai pas encore. Ça, il va falloir beaucoup de fragments et de talismans. Non. Ok. Le gros avec sa pierre, tu l'as foncé en moins de 2 minutes, c'est pour ça. Parce que je suis très très fort. Fabriquer. Voilà, c'est des braises ardentes pour tout ça. Après, je suis full stuff, je fais toutes les quêtes secondaires et tout, Nord-Est. Et jusque là, pour le coup, je vide bien le jeu, quoi. Les deux, enlever l'attaque, les deux. Attendez, oula, c'est un moment important là. Notre oncle ne voit plus clair depuis longtemps. Oui, s'y perd, je crois. Aussi. Alors tu la fermes, tu te concentres et tu m'aides à les trouver. On ne voudrait pas décevoir Terre. Oh, je vais te corriger. Ok, elle va y avoir du lourd là. Les deux, enlevé l'attaque, les deux. Sur PS5, évidemment, si possible. Oui. En ville attaque. Pas un monde ouvert à la Horizon exactement, mais assez proche, oui. Un monde ouvert à la Dark Souls plutôt. Et en plan séquence en plus. Ah, attends, ruée de sanglier. Ah, ça c'est l'XP qu'il faut. Ouais. Ah, mais l'XP des compétences, en vrai, c'est tellement bien. 18 000 le prochain laser. Non. Oh. Ça passe. Ça passe, ça passe. C'est déjà très propre pour la PS4 en vrai. C'est juste que c'est en 30 FPS quoi. Mais il est pas rond, il sera aussi beau. Ok. Non, on ne peut pas décevoir ton père. Ouvre l'œil. Ça va chier là. On peut peut-être récupérer un éclat du burin et nous éclipser avant qu'il nous voie. Toi. Atreus. En toi. Le père de tout l'exige. Non. Non. Oh, stylé!
C'est mon combat, Atreus. Va-t'en. Où est-ce que tu vas comme ça? Oh non, mon frère. L'avorton à un arc. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah... Mon frère, tu n'as pas d'ordre. Pourquoi j'arrive plus à le tomber lui? Je comprends pas. Attendez. Non, je peux rien en faire en fait. Il est juste par terre et c'est tout quoi. D'accord. Pour l'instant, je leur mets la pâtée, hein. Que veut Odin? Je sais pas, je m'en fiche. Viens là, bâtard. Arrête de te cacher. Ok, c'est au son. Tais-toi! M'appelle pas comme ça! C'est trop stylé. C'est fou que tu aies tenu si longtemps. Tes pauvres bras peuvent à peine soulever ton arme. Je t'ai dit de te taire! Calme-toi, Atreus. On dirait qu'ils n'ont pas retenu la vie. Je me sens là d'un big bang. T'as de calme, ça, gros con. Tellement fort, le gamin. Oh, trop bien. Y'a de l'huile là-bas, je crois. Pas touche au gamin! Il est relou, lui, hein. Voilà, vache! Toujours essayer. Tête. Désolé, je sais, je suis allé trop loin. On te
traînera vos carcasses jusqu'à Asgard. Vous vous amusez bien. Mandy, à moi. Quel est le problème? D'abord, de sa maman. Merde. Arrêtez. Atreus, reste concentré. Non, salapastone. Debout, mon frère. Ah. Enlevez l'attaque. Je dois tout refaire. Ah non, ça va. Okay. Ah, c'est juste là, ça va. Oh putain. Atreus, reste concentré. Putain, c'est pour merde. Ok, j'ai compris. Oh, des gars qui se prend. Ta mère ne t'a pas assez nourri. Trop moche. Ferme-la, sale chien. Atreus. Mais je comprends pas comment. Putain, ça me shut. Je m'occupe du pire. On dirait qu'ils n'ont pas reçu la chance. Je me sens là, papy. Putain. Allez. C'est pas juste. Ah, c'est pas juste, il était mieux. Bye, heureux de vous rencontrer. Ah ouais. Je dis chute et bye, heureux de vous rencontrer. D'accord, ok, bon. Putain, casse-toi. J'ai compris. Arrêtez! Atreus, reste concentré! Ok, y'en a un qui est mort. Il est où, il est où, il est où? D'accord, ok, faut les tuer en même temps. D'accord, il faut s'éloigner. Atreus! Sont relous sur la fin. Moi, je serais Odin vu qu'on a fini deux, je me calmerais de fou. La dernière phase, elle est relou, putain. Arrêtez! Atreus, reste concentré. Voyons. Pas trop mal, pas trop mal. Non, ça c'est pas cool. Non. Portée. On va l'envoyer. Sérieusement, allez, crevez. What? Salaud, les salauds, les salauds. Ah, ils sentent la douleur, eux, hein. Magni ! Non ! Comment as-tu fait ?
Tu n'as aucune idée de ce que... Sale fiche de chien! C'est ton tour! Oh reviens, ma lâche! Je vais t'arracher la tête! La maladie. La fièvre est revenue. Non! C'est faux! Atreus! La toux, le sang. Ton fils est malade et il a besoin de Freya. Non! Doucement. Ça va aller. C'est bien, petit. Je vais bien, tu vois. Le loot! On devrait le surveiller. Alliage de Leight. Métal infusé d'éclair utilisé par Thor et ses fils. Le mec se fait ban, je suis mort. Mais non, mais je suis raconté celui-là. Je sais pas ce qu'il racontait, mais à la première question, pourquoi pas, mais après, enfin, comment ça spoil, je sais pas, je le sentais trop. C'est pas grave. Il n'allait pas, ça devait être un gamin, il n'allait pas convenir à la chaîne. Il permet d'améliorer les pommeaux, change les gars électriques, se trouve. Oh là là, ouais. Attends, ouais, il y a des cartes. Attends, et là, le givre. Flamme de glace, ok. Ok, 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 ok. On va pouvoir améliorer l'arme encore. Je vais pouvoir la passer à niveau 5. Ah non, niveau 4 uniquement, lâche. Allez. Bah pourtant, elle est niveau 4, je comprends pas. Ah ouais, mais elle est niveau 1 de base. Donc là, je vais la passer 5 et elle doit pouvoir aller jusqu'au niveau 6. D'accord. 0,9. Pas mal, Milan. GG. Beau gosse. Ah, génial, Claudia. C'est vraiment le... génial. Tu l'as déjà fait, toi, ou c'est en stream que tu dis ça? Ça suffit. Ça devrait. Avec ça, nous pouvons graver la rune menant à Jotunheim et à votre destination. Et nous pouvons aussi ouvrir toutes les portes fermées par un saut magique comme celle qui se trouve dans ce coin. Oh! Ah ouais, mais là, faut... Tu as le burin. Trouver le bon emplacement. Attends, what? D'accord. Ça marche, je vais dire. Okay. Tu as tué Magni. Pas qu'un peu. C'était un dieu. Mais il l'a tué. Un as mineur, certes, mais oui. Et son père est Thor. Pas mineur, celui-ci. Pas du tout. Ça ne sera pas sans conséquence, Asgard. Oh, je nous ai défendus. Bien de plus. Je ne crains aucun jugement. Un jugement, non. Mais pour ce qui est d'une vengeance. Depuis quand peut-on tuer un dieu? Tu vois, Singling, il se pose des questions, le gamin. Il est loin d'être con. Après, en même temps, enfin, imagine... il vit dans un monde où il y a des contes et légendes. De là à ce qu'elle soit réelle. Ah, je trouve loin d'être con, moi, le gamin. CRN... Demande à papa pour les dieux, c'est ça. En Grèce, le docteur. C'est une grosse trilogie. Enfin, c'est une pentalogie pour être très précis. Les God of War, il y a eu 5 opus. Ça, c'est le 5e opus. Et en fait, initialement, pour faire rapide, je pourrais vous faire je pourrais faire un lore rapide, parce que je les connais quand même un peu par cœur. Ah! Salut! Ok, donc j'ai bien fait de checker. Le C, c'est bon. Je me disais aussi, là, j'allais pas quitter. Ah! Attends, j'ai cru voir un truc bleu. Non? Si. Oh là là. Oh putain. Oh la vache. Ok.
Bah c'est ça, oubliez pas qu'il a pas connu d'autres parents, il a pas connu, il a pas eu de copains, il a pas eu d'autres enfants, il sait pas comment sont les autres gamins quoi. Qui a le N, le N, le N, le N. Où est-ce qu'il peut être le N? Il met la N, le N. Il met la N. Alors. Ah ouais, on est déchaîné sur la blague. Hein. Belle utilisation. Très belle utilisation, Milan. Très très belle utilisation.